lubrifier fait partie évidemment de la vie, de la bonne santé d'un système, d'un engrenage, d'une machine. Donc, le rendre intelligent, ça a du sens évidemment. Donc, ça, évidemment, tu vas nous en parler. Donc, Absolument. Benoît Degrève, donc voilà, de la société SDT qui va se parler. Merci Olivier pour l'introduction. Effectivement, l'industrie tourne et rien ne tourne si c'est pas lubrifié. Alors, lubrifier, on le fait certes depuis la nuit des temps. Maintenant seulement, les technologies évoluent et permettent de faire les choses de manière un petit peu plus intelligente et rationnelle. Donc, vous le verrez dans ma présentation, je vais baser une bonne partie de ma présentation à dresser le portrait de ce qui se passe actuellement, des mythes, des idées reçues et de ce qu'est la maintenance à l'heure actuelle en termes de lubrification. Vous verrez qu'il y a un peu de boulot. Donc, Benoît Degrave, je suis directeur commercial chez SDT Ultrasound Solutions. Donc, c'est une société belge. Je pense que j'ai ici une photo. Voilà, une photo de l'équipe. Donc, vous l'entendrez à mon accent. Les Belges disent 8, ils disent 8. On dit 72, on dit 92, toutes ces choses-là. Mais on va essayer de se comprendre. Alors, on fabrique des appareils de mesure à ultrasons depuis 1975 ou 75. À Bruxelles. On a commencé notre activité sur fond de crise économique. Maintenant, on est dans une crise du Covid, donc on passe de crise en crise. Et bizarrement, à chaque crise, on essaye de faire des économies d'énergie ou financières. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Quand on lubrifie correctement une machine, on fait également des économies d'énergie parce qu'on optimise les états de friction. Alors, chez SDT, on se lève le matin pour offrir des solutions simples, parce que plus une solution est simple, plus on aura des gens qui pourront l'utiliser. Ça, c'est très important de ne pas l'oublier. De nombreuses technologies ont vu le jour depuis quelques années, mais la courbe d'apprentissage étant très longue, parfois ces technologies qui fonctionnent très bien finissent dans des armoires et on ne les utilise pas, ce qui est bien dommage. Donc ici, nous, on essaye toujours de faire des choses les plus simples possibles, comme ça, ça s'adressera au plus grand nombre. Alors, ces solutions sont dédiées à quoi ? D'une part, à faire des économies d'énergie, à réduire la consommation énergétique. Ça, c'est en lubrifiant correctement les machines. Et une fois qu'on lubrifie bien les machines, vous le verrez, on prolonge indéniablement la durée de vie des installations. Alors, vous le voyez ici, on parle d'ultrasons. Et c'est important de poser un petit peu le contexte. Donc, qu'est-ce que l'ultrason ? Alors ici, je vais placer l'ultrason dans un domaine fréquentiel. Donc il existe trois gammes sonores. Il existe des infrasons qui sont en dessous de 50 Hz. Ce sont des phénomènes qu'on ne peut pas entendre ni expérimenter ni avec nos oreilles, parfois sous forme de vibrations. On retrouve entre 20 Hz et 20 kHz ici, ce qu'on appelle le son audible. Donc ça, ce sont les capteurs que nous a donné Dame Nature qui nous permettent d'entendre des sons. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas hyper efficace, surtout dans le milieu industriel qui est lui-même déjà bruyant. Donc, c'est très difficile de venir entendre une machine au-dessus du bruit ambiant d'une industrie. Donc, c'est pour ça qu'ici, chez SDT, on a des capteurs qui travaillent à une fréquence fixe qui est du 38,8 kHz. C'est une fréquence de mesure très étroite qui permet de s'affranchir, comme je vous l'ai dit, de tous les bruits ambiants de l'installation. En gros, c'est un petit peu comme si vous aviez une porte et que vous regardez à travers l'œillère pour voir qui est derrière. C'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui crée des ultrasons ? On a des phénomènes de friction. Alors ici, vous voyez, j'ai pris une caméra ultrasonore donc, qui permet de visualiser des ultrasons. Et vous voyez ici, quand je fais de la friction comme ceci, ça génère un signal ultrasonore. C'est ça que je vais mesurer, détecter. Et c'est ce phénomène qui va me permettre d'optimiser les plans de graissage et d'optimiser les changements de friction d'une machine lors du regraissage. Alors, on a d'autres phénomènes qui génèrent des ultrasons, donc la friction, un roulement une fois qu'il est mal lubrifié, qu'il a vécu, qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à avoir une défaillance précoce et cette défaillance précoce va générer des micro-impacts. Des micro-impacts vont à leur tour créer des ultrasons, comme ceci. Nous avons également des phénomènes de turbulence qui génèrent des ultrasons. Alors, je ne vais pas générer un signal de fuite ici, sinon je vais contaminer tout le monde avec mon Covid. Mais les turbulences génèrent également des ultrasons. Et donc, c'est pour ça, par exemple, ici, avec cet outil, qui est une caméra ultrasonore, je vais pouvoir visualiser des fuites dans un milieu bruyant. Dernier phénomène générant des ultrasons, ce sont des décharges partielles, ce sont des fuites de courant en haute tension principalement, mais je ne vais pas en parler plus que ça aujourd'hui.
Alors, je vous le disais en préambule, on a une mission, c'est de faire des solutions simples. Alors, comment faire des solutions simples? Vous savez, la maintenance, premier niveau d'un opérateur, c'est d'utiliser ses yeux, son toucher et ses oreilles. Donc, il va vous dire tout d'abord, ah ben oui, je suis passé à côté d'une machine et j'ai entendu qu'elle ne faisait pas le même bruit qu'hier. On le fait, nous, dans notre vie privée également, par exemple avec une voiture. On roule tous les jours, on va jusqu'au bureau, mais le jour où on a un pneu plat, on comprend très vite qu'il y a un souci, ça fait du bruit. Et à terme, ça va aussi vibrer. Et on sait qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Alors ça, c'est de la maintenance sensorielle. Donc j'utilise mes mains, je sens de la vibration, je sens de la chaleur. C'est une approche qui est certes très simple, mais qui est très efficace aussi. Pourquoi c'est efficace? Parce que tout le monde peut le faire. Alors ici, on a voulu garder cette approche simple, parce que ça permet de respecter aussi les gens qui ont moins de connaissances sur le terrain. Alors cette solution simple, c'est quoi? C'est de se dire très bien, on parle d'ultrason. Mais gardons cet ultrason et ramenons-le dans le domaine audible, dans un casque d'écoute. Donc vous verrez, les gens qui utilisent nos appareils utilisent toujours un casque d'écoute, soit pour entendre des fuites qu'on n'entend pas à l'oreille, soit pour écouter les changements de friction lorsque je vais graisser mon roulement. Alors retenez le mot, c'est toujours la classe de le placer au repas de famille. C'est le principe qui s'appelle l'hétérodynage. Alors c'est un mot qui a l'air bien savant, mais c'est quelque chose que vous faites tous les jours, votre poste radio fonctionne sur le principe de l'hétérodynage. On ramène des mégahertz qu'il y a dans l'air, on change la fréquence, et le poste radio le traduit en fréquence audible dans le casque d'écoute. Le GSM, c'est la même chose. On ne dit pas GSM en France, je crois, on dit portable. Voilà, on dit GSM. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais on a toujours dit GSM. Particularité des ultrasons, ils sont de faible énergie. On a l'habitude de dire que les ultrasons, ils aiment rester à la maison. Et c'est ça qui est génial. Je parle de ça pour faire souvent le distinguo avec la vibration. Tout le monde connaît la vibration, et je fais de l'analyse vibratoire, etc. Une vibration, c'est un signal de forte énergie qui se propage sur toute la machine. Et donc, quand je mets mon accéléromètre, je dois faire une analyse fréquentielle pour dissocier toutes les fréquences que je vais trouver et essayer de les faire correspondre à un élément de ma machine. Pour me dire, j'ai une fréquence de 1,30 Hz, ça correspond à la bille numéro 7 de mon roulement qui est défectueux. La vibration, comme cette forte énergie, on peut avoir différents défauts qui superposent. En ultrason, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que là où mon capteur est situé, c'est l'endroit où je mesure. Un petit peu comme le stéthoscope du médecin. S'il se met à gauche, il entendrait votre cœur. S'il se met à droite, il entendrait autre chose. Alors, je vous ai parlé de friction. Et là, vous êtes en droit de vous dire, mais friction, c'est quoi friction? Quel est le niveau de sensibilité de l'ultrason vis-à-vis de la vibration? Ici, j'ai une petite animation qui va vous le montrer, d'ordre plutôt scientifique. Donc, vous voyez que j'ai là mon capteur de contact. J'ai passé beaucoup de temps en Covid chez moi, je me suis beaucoup ennuyé, donc j'ai beaucoup joué avec mon radiateur et mes capteurs. Donc, vous voyez ici, j'ai mon capteur de contact qui est sur mon radiateur. J'ai mon collecteur de données qui va, dans un premier temps, traduire l'ultrason en fréquence audible, le mesurer et puis vous afficher le signal. Cette vidéo va vous faire comprendre à quel point c'est sensible au phénomène de frottement. J'ai enregistré mon signal et je peux le visualiser ensuite. Alors, on comprend bien, on s'en fout un petit peu de la friction de mon doigt sur mon radiateur. Par contre, mesurer les états de friction de mon roulement lorsque je le graisse, là, ça devient intéressant. Et ça me permet de savoir si je fais un bon boulot ou pas. Je vous parlais d'impact également. Et là, à nouveau, vous dites, c'est quoi l'impact? C'est un avion qui se crache ou c'est une mouche qui se pose sur une table? Voilà ici encore une autre vidéo qui vous permet de montrer un peu la sensibilité de l'ultrason au phénomène d'impact. On entend le signal, je déclenche une mesure. Et je visualise ma mesure. Voilà, dans ce cas-ci, je vois clairement les impacts. Je sais directement que ma machine, si ça avait été un roulement, n'est pas en bonne santé.
Alors, un roulement, c'est quoi? Ben, ce sont des éléments roulants qui tournent entre une bague extérieure et une bague intérieure. Et quand j'ai un défaut dessus, chaque élément roulant va passer sur le défaut et va générer un impact qui, à terme, générera également une vibration. Alors, essayer de refaire la même chose avec un accéléromètre, ça ne marchera jamais. Un accéléromètre est sensible au phénomène de vibration, comme ceci. Si je bouge la table, mon accéléromètre réagira. Mon capteur d'ultrason ne réagira jamais. Lui, il est sensible au phénomène de frottement et d'impact. Les deux technologies, le combo est parfait. On trouve vraiment tous les problèmes. Un petit peu comme un médecin, il ne sait pas tout faire avec son capteur de température, il ne sait pas tout faire avec son stéthoscope. Donc, il faut marier les différentes technologies qui existent sur le terrain. Je vais maintenant placer ici l'ultrason dans la maintenance prévisionnelle, donc qui était l'objet de la présentation juste avant. Et pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle la DIPF curve, donc qui permet de visualiser le cycle de vie d'une machine complet, en partant entre D et I, du moment où un ingénieur va dessiner la machine. Donc on espère qu'il n'est pas trop mauvais en maths et qu'il va faire une machine assez cohérente. Il va la fabriquer, ensuite il va l'installer chez un client, et là on se retrouve entre I et P. Et on se retrouve également dans ce qu'on appelle de la maintenance proactive. Ça veut dire qu'on va faire un tas de choses pour diminuer le nombre de chances de tomber dans un mode de défaillance. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? De l'alignement laser. On va faire en sorte que tous les éléments soient bien les uns en face des autres pour éviter les contraintes. On va supprimer les balours, ce genre de choses. Et également, on retrouve l'ultrason. Qu'est-ce qu'on va faire entre I et P? Ben, on va optimiser la friction. Un roulement qui est correctement lubrifié est garanti par le constructeur comme ayant une durée de vie presque infinie. On passera ensuite après P, ça veut dire qu'on va être dans de la maintenance prévisionnelle, il y a un défaut et on ne pourra plus le supprimer. Donc j'aurai beau le graisser, le défaut est là, je ne sais plus rien faire et ça va générer des impacts, comme ceci. Du choc. À terme, si on ne fait rien, ça va vibrer. Si on ne fait rien, ça fera du bruit dans l'audible. Ensuite, ça fera de la chaleur. Donc quand je toucherai mon palier, ça va être très chaud. Et puis je serai à F, ça casse. Donc faire du suivi de machines tournantes en température, on dit toujours que c'est une mauvaise idée. C'est un indicateur comme un autre, mais c'est toujours une mauvaise idée, parce que quand ça chauffe, on est très proche de la casse. Voilà ce qui nous amène maintenant à l'application. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris l'ultrason et dans quel contexte il évolue. Ici, je vais parler maintenant vraiment de l'application lubrification. Donc c'est un sujet qui, lorsqu'on fait une AMDEC ou une root cause analysis, pour essayer de comprendre la cause racine d'un problème, notamment sur les roulements. Les fabricants de roulements vous diront tous qu'à peu près à l'heure actuelle, on a 10% des roulements qui atteignent leur durée de vie initiale. 90% ne l'atteignent pas, avec notamment 60% que l'on peut incriminer au problème de graissage. Alors, c'est quoi les problèmes de graissage? C'est mauvaise graisse employée, contamination de la graisse, surgraissage et sous-graissage. C'est un petit peu comme si vous faisiez des transfusion sanguine avec des seringues qui ne sont pas propres, ou alors on se trompe de sang, etc. Ben, le corps humain il va bien, et puis il ne va plus bien. Ben, la machine, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Parce que ce n'est quand même pas des très 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 belles statistiques. Eh ben, voilà un peu quelques exemples que j'ai récoltés sur le terrain. Tous des exemples qui viennent de sociétés dites sérieuses, avec un plan de graissage, avec de la maintenance conditionnelle, suivi vibratoire, etc. Et ici, vous allez voir un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Vous allez voir, c'est parfois un petit peu curieux. Alors, nous n'avons pas besoin de plan de graissage, c'est bien trop compliqué à organiser. Nous préférons refroidir les machines avec de l'air comprimé. Donc j'ai un roulement qui est défectueux, je ne le remplace pas. Je ne le lubrifie pas, donc j'ai un risque vraiment pour l'installation de tout casser. Et en plus de ça, je génère une perte énergétique qui est une fuite d'air comprimé. On s'est amusé à quantifier qu'il était de l'ordre de 4000 euros par an. Donc je pars d'un problème très simple, il suffit de lubrifier de temps en temps, et je supprime le problème, et j'arrive avec une monstruosité de réactions en cascade, en fait. Alors, ça, c'est celle que j'entends le plus souvent. Prenez n'importe quel graisseur dans l'industrie, et généralement, il va vous dire, bah oui, bah, c'est facile de graisser, tant que ça ne sort pas des paliers, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors, une chose est pratique, c'est que, avec cette approche, on est sûr d'une chose, il est passé, il a graissé. Là, ça se voit. Il y en a. Il y en a un petit peu, juste là. Maintenant, le problème, c'est la quantité. Un palier, si j'ai de la graisse qui sort de tous les côtés, fort à parier que j'ai cassé les étanchéités de mon roulement et de mon palier, surtout s'il n'y a pas d'évacuation en dessous, je vais
augmenter la friction interne parce que je l'ai surlubrifié. Et à terme, il y aura aussi une élévation de la température. Donc de nouveau, réaction en cascade. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, mon roulement ici tient 6 mois. C'est tout. Petite remarque aussi curieuse que j'ai déjà eue. Contamination de la graisse. Et alors parfois on a des très très gros roulements et on se dit bah tu crois quand même pas qu'un petit grain de sable ou une poussière va vraiment faire quelque chose sur ce gros roulement. À ça je réponds facilement, bah, la couche de graisse optimale entre les éléments roulants en bague intérieure et bague extérieure est d'environ 5 microns. Donc c'est pas beaucoup. L'œil humain est capable d'observer un détail, le plus petit niveau de détail qu'il peut observer, si je dis pas de bêtises, c'est 50 microns. Ça veut dire 10 fois l'espace optimal entre les éléments roulants, la graisse et la bague intérieure ou extérieure. Donc pour répondre à cette question, tu ne penses quand même pas qu'un petit grain de sable va endommager mon roulement? Si, absolument. Regardez ici, mes embouts de graissage qui sont absolument sales. Et bien souvent, plutôt que donner un petit coup de chiffon, on branche la pompe à graisse et on vient mettre toutes ces impuretés dans le roulement et le roulement est cassé. Voilà, ici encore d'autres exemples. Ça, c'est en carrière. Bah oui, forcément, c'est un environnement hostile pour les machines tournantes. Voilà, bah on le voit. Hein. Et la contamination de la graisse n'est rien plus, rien moins que ça. Donc, c'est un élément roulant lancé à pleine vitesse sur un obstacle. Alors, dans ce cas-ci, c'est une voiture. Donc, la voiture a de la chance, entre guillemets, d'avoir des suspensions pour amortir le choc et de ne pas être pris en étau, bague intérieure, bague extérieure, ce qui n'est pas le cas d'un roulement, surtout qui tourne en plus en rond. Donc contamination de la graisse catastrophique. Alors, deuxième raison qui explique également ces mauvaises statistiques sur la durée de vie des roulements, c'est le graissage périodique. Alors, très souvent, on nous dit, ben voilà, nous on a un plan de graissage et on s'est calqué sur les préconisations constructeurs, donc les plaques signalétiques qu'on peut retrouver sur certains moteurs. Et ça, de nouveau, c'est très rigolo. Un exemple. Ici, on nous demande de venir tous les 3068 heures. Attention, ce n'est pas 3069, ce n'est pas non plus 3067, c'est 68. Avec 32,7 grammes de graisse. Donc vous voyez, le même gars qui surgraisse tous les roulements, qui met des tonnes ou des kilos, on va lui demander maintenant de venir avec une pipette dans laquelle il y a 32,7 grammes de graisse, toutes les 3068 heures. Donc ça veut dire qu'il a intérêt à avoir un bon iPhone avec beaucoup d'alarmes qui va lui permettre de déclencher au bon moment la lubrification. Concernant le grammage, moi j'avais un ami qui était très fort en balance et depuis il est en prison. Ça, c'est pas possible. Ça, on sait pas faire. Le graisseur, on lui parle en coup de pompe à graisse éventuellement, ça arrive à comprendre, mais lui dire de venir avec 32,7 grammes de graisse, non. Ce qui est encore plus curieux, c'est que cette plaque signalétique vient d'un moteur qui était fabriqué dans les pays nordiques. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au Danemark. Manque de bol, ce moteur, là, il est installé. On voit, il y a un peu de poussière. Je pense qu'il était en Iran, dans une raffinerie. Donc, ça veut dire qu'en Iran, les différences de température entre le jour et la nuit peuvent être de plus 30 degrés. Et à chaque fois, on diminue l'espérance de vie de la graisse. Donc, comment un gars dans un bureau dans les pays nordiques peut savoir les quantités de graisse qu'on va mettre sur ce même moteur en Iran? C'est pas possible, c'est du cirque. Un exemple de graissage périodique. Je vais vous faire écouter le signal d'une pompe. Donc voilà, je prends mon capteur, je le mets sur le palier et je vais écouter ce que me dit le moteur. Est-ce qu'il y a des experts en vibration ici ? Non. Mais il y a peut-être des gens sensés. Et ici, de manière rationnelle, quand on entend un élément roulant, moi, ça me fait penser à une chose. C'est à la frontière française entre la Belgique et la France. Et quand je remonte, je passe la frontière, j'arrive sur l'autoroute belge. Nous, on n'a pas autant de moyens que vous pour entretenir les routes. Et généralement, comme on est souvent pressé, on roule très vite. Et là, beaucoup de nids de poule. Ça casse la mécanique, c'est pas bon. Voilà, et quand on ouvre le moteur, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. C'est pas joli. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, le moteur est graissé, ça c'est clair et net. En quantité raisonnable, j'en doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tellement graissé que la graisse n'était plus consommée et donc est partie dans le stator du moteur. Et le moteur est grillé, c'est terminé. Et à terme, j'ai également grillé mon roulement. Et c'est ça qu'on voit ici. J'observe tous ces chocs. Ta 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 ta
Ah, ça, c'est une classique aussi. Parfois, on a un beau plan de graissage hein, où quelqu'un de raisonner s'est amusé à calculer les quantités exactes qu'il fallait mettre dans le roulement. Et donc, il détermine, par exemple, sur un point de graissage, c'est 10 grammes de graisse. Et puis, il donne le plan de graissage au graisseur. Il lui dit, tu pars et tu vas lui mettre 10 grammes. Alors, on s'est amusé à mettre un jour une GoPro sur le casque des graisseurs. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que bien souvent, ils vont dire, OK, 10 grammes, mais 12, c'est un peu mieux. Hein, tu vois, on regarde, et il n'est pas là. 1, 2, on en met 2 de plus. Mais 2 de plus au bout de 5 semaines, ça fait le double de la quantité. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe de nouveau ? C'est cramé à l'intérieur. Alors, les plans de graissage papier, ça ou rien, c'est exactement la même chose. Parce que le plan de graissage papier ne prouve qu'une seule chose, c'est que le graisseur a un bic et qu'il sait mettre des croix dans des cases. Où on lui dit, machine 1, point de graissage numéro 2, es-tu passé ? Oui. Et on fout une croix. Et ça prouve qu'une chose, c'est qu'il a un bic. Ça ne prouve pas qu'il a mis la graisse et ça ne prouve pas les quantités qu'il a mises. Ah, les graisseurs automatiques, révolution de l'année. Non, on arrête les tournées de graissage. C'est con à faire, autant mettre un graisseur automatique. On l'installe et on l'oublie. Mais rappelez-vous, ce moteur, je vous l'ai fait écouter tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu. Mais j'avais un graisseur automatique qui était exactement calibré sur les préconisations constructeurs. Qui malheureusement ne prenait pas en compte le fait que j'avais deux machines en parallèle qui ne fonctionnaient pas en même temps. C'est une semaine l'une, une semaine l'autre. Et les quantités de graissage étaient les mêmes, ce qui fait que de nouveau, j'ai cramé mon moteur. Encore un petit exemple avec un... Ça, c'est encore plus drôle. Vous voyez ici, c'est vraiment deux pompes qui fonctionnent en parallèle, même vitesse, même charge. Mais une, on lui a dit, ouais, c'est là... On en a marre d'aller le mardi matin lui mettre de la graisse. On met les graisseurs automatiques et regardez les valeurs que vous avez ici. 42 dB, ici j'en ai 22. J'ai une différence de friction énorme. Ça veut dire que celle-ci est complètement surgraissée. Donc ça part d'une bonne intention, je vais la graisser en continu. Mais de nouveau, une fois que c'est mal maîtrisé, on casse tout. Ce qui m'amène à cette conclusion qui est faite par mon collègue canadien qu'on voit derrière, qui est Ken, il s'appelle Ken. Qui dit ceci, je ne bois pas un verre d'eau toutes les deux heures parce que la science me le recommande, je bois un ou plusieurs verres d'eau quand j'ai soif. Et bien une machine, c'est la même chose. Le corps humain ou une machine, le corps humain, c'est une machine organique, une machine qui est mécanique, fonctionne de la même manière, et en fonction de son état de fonctionnement, elle aura besoin de plus ou moins de graisse. Durant le Covid, je suis resté longtemps devant Netflix et je ne buvais pas beaucoup. Une fois qu'il a fait beau, j'ai repris mon vélo, je tapais quelques bornes, mais je buvais beaucoup plus. Eh bien, une machine de production, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas se poser plus de questions. Alors, quand vous voyez tout ça ici, je vous pose la question directement. Diriez-vous que l'importance du plan de graissage dans une stratégie de maintenance, elle est plutôt, c'est plutôt important ou c'est plutôt tout petit ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Après avoir vu tout ça. Ouais. En fait, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a une grosse dérive. On fait beaucoup de mesures physiques. Ah, je fais de la vibration, je fais de la thermo, je fais ci, je fais là. Pendant qu'on fait ça, on ne fait rien. On fait de l'observation. Donc on observe une machine à un instant T. Le seul moment où on peut changer l'état d'une machine, c'est en la graissant. C'est le seul moment où on est en interaction avec. Et quand on pose la question, c'est quoi le plan de graissage ? Comment c'est fait ? Graissage, laisse tomber. Il y a un étudiant là, qu'on a pris, ça fait 2 semaines, il est en train de tout refaire. Il a un tableau Excel, il est fabuleux. Non. Mais par contre, je suis un pro de la vibration, je sais trouver des problèmes. Donc quand on fait de la maintenance prévisionnelle, vibration, température, ultrasons, on ne fait que de l'observation. Et qu'est-ce qu'on observe ? Les dégâts de la lube. Rappelez-vous les 90% de roulements qui n'atteignent pas leur durée de vie initiale, c'est ça. Donc si on élimine le problème à la racine, c'est terminé. Mais pourquoi on ne le fait pas ? À cause de ça. Qui aimerait que son fils, ou même vous, devienne technicien graisseur ? J'ai déjà posé 100 fois la question, j'ai rarement eu une main levée. Non, mon enfant, il sera avocat, il sera ingénieur, astronaute, ce qu'on veut, mais technicien graisseur, non. Et pourtant, c'est certainement le job le plus valorisant qu'on puisse trouver dans n'importe quel service maintenance. Quand on maîtrise la lubrification, on maîtrise tout.
Alors, la lubrification, il faut prendre de la hauteur. Si on pense que la lubrification, c'est juste apporter des points de graisse, de foutre de la graisse, et peu importe, ben on se situe ici au-dessus. Ça, on peut le faire de 8 à 16 heures, il n'y a pas de souci. Mais on ne voit pas les dégâts que ça fait sur l'ensemble de la production. Si on se dit que la lubrification, c'est quand même important et d'avoir un tout petit peu de maîtrise dessus, ben là, on commence à avoir une vue un petit peu plus sur le côté. Et là, gérer des plans de maintenance et juste des quantités sans suivi, ben on peut le faire avec un petit peu de technologie, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, le jour où on se rend compte de toute l'importance de la lubrification, et c'est pour ça que c'est le thème de ma présentation, lubrification, pilier fondamental de toute stratégie de maintenance, ben là, on se met là. Mais pour arriver là, il faut aussi passer pas mal de temps dans la culture, avec les gens sur le terrain, leur expliquer les choses simplement et changer les choses et les idées reçues, casser les mythes. Bon, alors, c'est bien beau tout ça, oui, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles et on peut faire beaucoup de choses. Alors, comment on peut améliorer les choses ? Ben, on a maintenant des solutions qui permettent de venir faire du graissage conditionnel. C'est-à-dire, je mets mon capteur, j'écoute ce que me dit et puis je change son état. Si ma friction augmente, je surgraisse, j'arrête. Si elle diminue, il a besoin de graisse, je continue. Et ça ressemble à ça. J'ai un capteur qui est ici hors champ, qui est branché à mon appareil, qui lui-même va mesurer mon signal, le transformer en signal audible au graisseur, et puis lui dire s'il doit graisser ou arrêter. Un exemple. Attention, ça risque peut-être d'aller fort. Vous avez compris ça, hein ? Voilà, formation au niveau 1 ultrason, vous savez maintenant comment graisser des roulements. Alors qu'est-ce qu'on observe ? Ben, ici, il manque du lubrifiant, donc mon film de graisse est rompu, j'ai du micro-choc, c'est pas périodique, et à terme, je vais avoir de l'usure précoce. J'arrive ici, j'injecte un coup de pompe à graisse, mon roulement ronronne, c'est bon. Ça, c'est un cas de figure, c'est graissage réussi, mon roulement a besoin de graisse. On passe au suivant. Là, il va commencer à graisser. Le son, c'est une approche intuitive. C'est bien pour le graisseur, parce qu'il comprend, ça le connecte à la machine. Mais ne pas se fier qu'au son, parce que c'est aussi subjectif. Ici, c'est plus difficile à entendre. Mais ce qu'on entend, c'est qu'en graissant, on augmente la friction. Et quand on augmente la friction, on va avoir de la graisse qui va se déposer à l'arrière de la bille. Et avec la vitesse de rotation, ça va me générer des phénomènes de cavitation, ce qui va aussi générer du choc, de l'élévation de température, et ça va casser mon roulement. Autre cas de figure, j'ai un signal avant graissage, un signal après graissage. On va l'écouter également. Alors, qu'est-ce qu'on entend ? Rappelez-vous, autoroute belge. Voilà. Peut-être que s'il avait plu beaucoup, j'aurais pas entendu ça. Mais ici, j'ai un signal avant graissage. Vous voyez, en bleu foncé, j'ai également un problème de sous-lubrification et j'ai les chocs qui passent au-dessus. Après avoir graissé, j'ai solutionné le problème de graissage, mais je ne peux pas solutionner le problème de choc, vu que c'est cassé, c'est comme ça. Donc là, ici, roulement endommagé. Dernier cas de figure, un peu marrant aussi. Là, c'est un graissage en direct. Et qu'est-ce qu'on observe ? Ben, rien. Et ça, c'est aussi un gros problème qu'au niveau maintenance. Parfois, on met des belles lignes de graissage, comme ça, qui font plusieurs mètres, et on oublie de les remplir, ce qui fait que le graisseur il va venir au bout de la ligne, et pendant des mois, il va graisser, mais il va juste remplir la ligne de graisse. Il va lui falloir plusieurs mois avant que ça tombe sur le roulement. Donc, quand on graisse, on doit toujours avoir un changement d'état. J'augmente ou je diminue la friction, mais s'il ne se passe rien, c'est pas bon. Il faut faire venir un expert. Alors là, je vous explique tout ça, c'est très compréhensible, il n'y a pas de souci. Maintenant, je vous donne un appareil, vous partez sur le terrain, vous allez vous dire « qu'est-ce qu'il m'a encore raconté, celui-là, le son monte, il descend, friction, machin, comment on fait ?» Ben, malheureusement, je ne peux pas me démultiplier, je ne peux pas aller avec tous les graisseurs du monde, donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça ? On fait un algorithme qui permet de modéliser tous les scénarios qu'on peut rencontrer, et cet algorithme,
Où est-ce qu'on le met ? Dans un appareil. Et cet appareil va en fait être l'assistant graisseur au graisseur. Donc l'appareil va expliquer au graisseur exactement les tâches qu'il doit faire, comment il doit les faire, quand il doit commencer à graisser, quand il doit arrêter. Et surtout, on va récupérer les informations pour pouvoir faire un beau rapport pour le chef. Alors pour faire ça, on a un logiciel qui nous aide, dans lequel on crée notre onde de graissage. Ensuite, on transfère l'ordre de travail dans l'appareil. On va avec son appareil sur le terrain. On trouve le point de graissage. On prend une première mesure. Dans quel état est mon roulement? Avant de le graisser, peut-être qu'il n'a pas besoin de graisse, donc on va pas déconner. Donc on prend d'abord une mesure. Ensuite, l'appareil va dire, si c'est 20 grammes de graisse, commence peut-être déjà par en mettre 4. Et on va déjà voir ce que ça fait. Il en met 4. L'appareil réfléchit. Est-ce que ma friction, elle augmente ou elle diminue? Elle diminue? Ben, pas de souci. Retour pompe à graisse. Maintenant, tu vas en mettre 3 de grammes. Il réfléchit. Ma friction continue à diminuer. Eh bien, continue. Tant que la friction diminue, il va tourner ici en tout. Jusqu'au moment où il va déceler une légère surlubrification. Et là, il va l'amener vers la sortie. Il va dire stop, tu passes au suivant. Autre cas de figure, c'est après la mesure initiale. Premier appoint en graisse, j'ai ma friction qui augmente. Je surgraisse, on arrête. Tu passes au suivant. Ne gaspille pas de la graisse. N'endommage pas ton roulement. Autre cas de figure, il ne se passe rien. Alarme. Il y a un truc qui ne va pas là. Ta cartouche est vide, ta ligne est bouchée, ta machine ne tombe pas, j'en sais rien. C'est pas normal. Ça, c'est le cerveau de l'appareil. Ça aide les techniciens graisseurs à prendre confiance et à mieux faire le travail. Une fois qu'on a fait tout ça, ben, on récupère toutes ces informations dans un logiciel. Alors voilà ici un exemple. L'appareil dit dans ce cas-ci, donne un coup de pompe à graisse. Dans ce cas-ci, un coup de pompe à graisse, c'est 1,50 g. On l'a pesé avant. L'appareil réfléchit. Voilà. Ensuite, il mesure. Il interprète. Friction monte ou descend. Et là, il lui dit, stop, t'arrêtes. Et dans ce cas-ci, je ne sais plus pourquoi. Sur lubrification, tu as commencé ton graissage, tu avais 26 dB. Donc ton niveau de friction était optimal et tu es venu le surgraisser. Mais plutôt que mettre les 40 grammes, on en a mis que 10. Donc on a évité de faire pire que mieux. L'appareil est aussi capable de détecter quand un roulement est défectueux. Vu que finalement, un roulement défectueux, c'est quoi? Je le graisse, mais en arrière-plan, j'ai toujours mon choc. Je peux pas éliminer un choc. Donc là, il le détecte et il le dit également au responsable maintenance. Une fois que j'ai fait ma tournée de graissage, je récupère toutes mes infos. Et j'ai mon rapport point par point. Dans ce cas-ci, je sais que j'ai eu trois graissages. Une fois, j'ai réussi. J'ai fait diminuer la friction. Une autre fois, je l'ai surlubrifié. Et la dernière fois, j'avais une suspicion de roulement défectueux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? On appelle l'expert. Vibration, tout ce que vous voulez. Vous lui dites, là, il y a peut-être un souci. Donc, ça permet aussi de valoriser le travail du graisseur. Il ne va plus bêtement graisser des roulements. Il va également devenir, du coup, la cheville ouvrière de la cellule fiabilité. C'est lui qui va lui dire, c'est cette machine-là que tu dois aller inspecter. Plutôt que faire ton analyse vibratoire qui va te prendre un mois sur l'ensemble du parc machine, concentre-toi sur les plus problématiques. Le graisseur, il voit toutes les machines toute l'année, il va dessus. Donc, profitons-en. Vous vous rappelez de celui-là? Bon, heureusement. Comment ils ont fait ça? Ben simplement, on lui a dit au graisseur, écoute, continue à graisser, change rien. Mais pose ton capteur et écoute ce que te dit la machine. Ce sera déjà très bien. Et qu'est-ce qu'ils se rendaient compte à chaque fois quand ils graissaient? La machine hurlait. Donc il s'est dit, plutôt que venir toutes les semaines, il a commencé toutes les 2 semaines, puis toutes les 3 semaines. Et à terme, mais vous voyez, pour faire ça, le plus important, c'était de changer la culture. La technologie, il n'y a pas de souci, ça marche, c'est fiable, c'est répétitif, c'est répétable, pardon. Par contre, la culture des gens sur le terrain, les idées reçues, les mythes, etc., c'est là qu'il faut passer le plus de temps. Autre exemple, ici, chez un fabricant de papier de cigarette, 1000 moteurs, 150 casses par an. Donc, c'est pas terrible comme stat. On retrouve les photos du cimetière. Et même chose, on leur a dit, bah, écoutez, on va rationaliser le graissage. Ils avaient fait une AMDEC et forcément toute la graisse était dans le stator des moteurs électriques, donc ils étaient cramés.
Et on voit ici, implémentation, au bout de 4 ans, on arrive à 10 pannes par an, entre 8 et 10. Donc là, on voit qu'on commence à stabiliser. Et je peux vous dire que le niveau de stress au niveau du service maintenant, c'est beaucoup moindre. Il n'y a plus d'astreinte. Chacun reste chez soi avec femme et enfant. Pas besoin de revenir en urgence puisqu'il y a une machine qui brûle. Tout le monde est content. Et les graisseurs sont valorisés. On les fait élever en compétences et ils sont greffés à la cellule fiabilité. Tout le monde est content. Nous sommes des lubexperts. L'êtes-vous ? Voilà, c'est ce qui finit ma présentation. Nous sommes à 35 minutes, donc il reste 10 minutes de questions-réponses. Enfin, il y aura des réponses s'il y a des questions. Si vous voulez discuter un peu plus sur le sujet, je suis au stand E52D51. C'est facilement reconnaissable. Vous regardez au plafond et vous voyez un grand logo RS. Je suis juste en dessous. Voilà, merci à tous. RS Component. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Merci, merci, merci. L'homme qui murmurait à l'oreille des machines, ça aurait pu faire le titre d'un film. Les machines qui murmuraient à l'oreille de l'homme, c'est plutôt ça. C'est ça. Donc merci. Est-ce que vous avez du coup des questions, Jean-Pierre ? Dans le logiciel, est-ce que la fréquence vibratoire initiale, on la renseigne, est-ce qu'il y a un suivi de niveau de fréquence nominale à l'intérieur de pour chacun des points de passage ? Non. Parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'instant T, au moment où je mets mon graissage, où je mets ma graisse. Je dois avoir un changement de friction, peu importe ce qui s'est passé avant. Peut-être que j'ai la vitesse qui a changé, donc le niveau vibratoire, je n'ai même plus le suivre. Donc moi, je veux savoir, pendant l'opération de graissage, à l'instant T, je veux connaître les différences de friction. Donc ce qui s'est passé avant, je m'en fous. Il y a pas de il y a une mémorisation des prises de mesure dans le temps ? Ah oui, bien sûr. Il y a des courbes de tendance. Ah ben voilà. J'ai ici, hop, voilà, là j'ai des courbes de tendance, avant-graissage, après-graissage, avant-graissage, après-graissage. Je retrouve également ces informations ici via des mesures statiques, des RMS, qui me calculent le signal moyen du roulement, et je retrouve également mes quantités de graisse. Et dans cet exemple, particulièrement, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit que je peux parfois lui mettre 12 grammes de graisse, parfois 14, parfois que 5. Ma machine, elle vit, sa vitesse change, ça charge les températures. Il y a tellement de paramètres qui peuvent influer que moi, je veux juste me concentrer à l'instant T. T'as besoin ou t'as pas besoin ? Si oui, quelle quantité ? D'autres questions ? Par rapport au calcul des ROI, évidemment, c'est toujours compliqué de calculer le ROI, mais j'imagine que, en fonction des, de par votre retour d'expérience chez vos clients, y a-t-il eu déjà des ROI Oui. Ça ne va pas plaire aux pétroliers, mais l'exemple que je vous ai montré là tout à l'heure, il est passé celui-là. Ah tiens, on a la ressuscitation de Johnny Hallyday en cuisine. Alors, celui-ci ici, le ROI qu'on a, forcément, on passe de 150 casses à 8 casses, donc on n'a pas chiffré l'intervention, mais ça fait autant de stocks qui diminuent, autant d'heures en maintenance qui ne sont pas données. Et surtout, pour celui-là, c'est 90% de réduction de consommation de graisse au bout des 4 ans. Donc autant vous dire que niveau graisse, ils étaient très, très, très généreux. Et donc là, c'est plutôt pas mal. Oui. Je ne sais pas précisément quel type de graisse. Moi, je ne suis pas spécialisé en qualité. Moi, c'est plutôt en quantité. Après, ça dépend. Si c'est de l'alimentaire, il y a un certain type de graisse. Si c'est de la haute température, il y en a d'autres. Pour cet exemple précis-là, c'est plein de graisses différentes. Ça dépend du type de machine. Ils ont des cartouches différentes pour chaque machine. Et donc, ça aussi, dans le logiciel, avant d'aller graisser, on renseigne le type de graisse, le type de pompe à graisse qu'on doit utiliser pour éviter de tout mélanger. Mais il n'y a pas une graisse qu'on utilise pour toutes les machines. Ah. On est obligé de passer par le micro, sinon on n'entend pas la question dans la vidéo. Oui. Il y a un couplage avec les logiciels d'analyse de graisse, justement, parce qu'en fait, c'est un grand classique de faire des analyses de lubrifiants par des prélèvements.
Est-ce qu'il y a, y a un couplage avec des corrélations qui se font pour des recommandations de purge et des choses comme ça? Alors, vous parlez d'analyse d'huile. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, l'analyse d'huile consiste à prendre un prélèvement de l'huile ou de la graisse dans laquelle tournent les éléments roulants et on vient regarder les particules qu'il y a dedans. En fonction des particules qu'il y a dedans, on sait s'il y a des pièces d'usure et on peut identifier d'où vient la panne. Donc, pour répondre à ça, non, on ne fait pas de lien entre les deux parce que c'est vraiment deux approches très différentes et c'est très difficile de faire corréler le niveau ultrasonore avec l'analyse d'huile, bien que quand j'ai une élévation de ma friction ici, ben fort à parier que j'aurai peut-être l'apparition de particules métalliques. Oui. Et dans le même esprit, si, est-ce qu'il y a moyen de connecter les données qui sont dans le logiciel à la GMAO? Tout est possible, tout est une question de prix, parce qu'il existe autant de logiciels de GMAO que de clients. Et chacun un petit peu, c'est son idée de la recette de cuisine parfaite qu'il veut faire. Donc là, il faut se montrer flexible. Tout est possible, mais faut chaque fois étudier et voir s'il y a un réel intérêt, parce qu'on devient beaucoup accro à la data et on veut toujours plus de data et on en remonte partout. Mais il faut savoir aussi ce qu'on veut en faire. Quoi. Donc si c'est pour remonter des informations ailleurs, pour en faire quoi? Oui. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Et si c'est le cas, on le fait. Oui. Très bien. D'autres Merci questions? Pour les questions.